Voilà, alors on est à la moitié du voyage. Là, on a voulu que les garçons se préparent aux étirements. Il faut vraiment qu'ils récupèrent. L'avion, c'était compliqué. Les jambes ont gonflé un petit peu et voilà, ils ont très peu dormi, il leur manque du sommeil, mais les étirements et s'arrêter, c'est très important. Donc là, je demande aux préparateurs physiques de faire un étirement de 3/4 d'heure. Donc, je m'appelle Naïm Mouaba, préparateur physique de l'équipe nationale d'Algérie de rugby. Et maintenant, pratiquement 15 heures que nous sommes partis de la France, avec différentes escales, fatigue, etc. Donc qu'est-ce qui va se préparer? Alors, il y a de la fatigue, c'est sûr, hein, quand on fait plusieurs escales avec les joueurs. Maintenant, les joueurs sont déterminés, ils seront présents le jour du match. Mentalement, c'est vraiment première compétition officielle Coupe d'Afrique pour l'Algérie, donc ça va être un moment historique à vivre. Donc on va tout donner sur le terrain, on va mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils soient le plus performants possible sur le terrain. Et Inch'Allah, comme on va. Donc là, qu'est-ce que tu as prévu justement à cette escale au Kenya là? Qu'est-ce qui est prévu? Donc là, on a prévu un bon quart d'heure de déverrouillage, étirement, un petit peu pour retirer un petit peu la raideur musculaire, un petit peu pour les réveiller ici, pour souder un petit peu le groupe. Donc là, c'est une petite étape parce qu'on a une escale qui est même assez longue. Ensuite, on est en train de voir les installations, les infrastructures, l'hôtel, dans quelles conditions on va être installé pour pouvoir commencer à préparer le match. J'ai joué à Montpellier jusqu'à mes 17 ans et après je suis parti à Biarritz. Là actuellement ça fait 3 ans que je suis à Rodez. Donc là c'est ta première sélection, petites impressions, le groupe, l'intégration, comment ça s'est passé? Ouais, je suis super heureux d'être là, c'est une fierté surtout pour moi et pour toute ma famille. Le groupe, je trouve qu'il y a un bon groupe et j'ai hâte qu'on commence à faire les entraînements et qu'on joue et qu'on se lance dans cette Coupe d'Afrique.